est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast tribu de Radio Malif. Ma La production continue, euh, les convocations se multiplient et les intervenants euh, se succèdent ou reviennent, euh, comme ils sont des habitués. Mustafa en fait partie. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va Bien, en enfin. forme. Alors je signale à nos auditeurs, euh, nombreux que je remercie d'ailleurs, que tu es venu long, c'est-à-dire sans notes. Ça C'est le signe soit d'une grande maîtrise du sujet, soit de grandes approximations qui arrive Eh ben on verra. Espé, Espérant <laughs> en tout cas meilleur euh, résultat. Non, je euh... plaisante. Sachez ah, que quand Mustafa ouais. arrive sans note, là, ça veut dire que tout est dans sa tête. Comment ça va Ça roule, c'est bien. Alors, bien. on va parler aujourd'hui de Siba. Alors si, bas aujourd'hui dans le langage courant des Marocains, ça veut dire l'anarchie, ça veut dire le désordre. C'est pas loin de le fitna, c'est quelque chose qui fait peur et qui est présenté comme euh, la catastrophe ultime, c'est-à-dire le manque d'ordre. Euh, et tu es venu proposer ce sujet parce que tu avais des révélations à nous faire au sujet de l'acceptation commune de cette notion. Peux-tu nous éclairer s'il te plaît ben Déjà tu as, as donné un petit peu le tuyau, hein. le fitna, l'anarchie, effectivement c'est la terminologie relative à euh, ce mot utilisé chez nous depuis euh, très longtemps, de Seba, Seibin, Seibin, Seiba, c'est un terme qu'on trouve encore dans la mémoire euh, orale. Et au fait, au niveau de l'étymologie, oui, si on veut le traduire euh, sans arrière-pensée, c'est le mot anarchie, — Fitna, oui. — Il ne dis du... pas au sens de doctrine politique, hein, mais au non, sens non, de l'absence Non, 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 pas du, tout. Désordre. Désordre, pas ouais, du tout. désordre. Non, non, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec la doctrine politique. Au contraire, c'est justement synonyme de désordre et de trouble. Et depuis l'époque coloniale, depuis que la recherche moderne a commencé à s'intéresser à nous et nous étudier dans le but de nous conquérir, il faut bien le rappeler, parce que c'est pas pour les beaux yeux de la recherche... Que cette recherche a commencé sur les colonies d'une manière générale. L'Algérie était le début, le terrain par excellence. Ensuite, suivi par la Tunisie, puis le Maroc, la Mauritanie, en fonction. Je refait à mesure de l'avancée. Mais on commence à étudier avant de conquérir. Et puis, une fois la conquête installée, on commence à faire des zoom C'est pour ça que, par exemple, côté français, on a installé un organisme qui s'appelait une sorte de programme de recherche, l'émission scientifiques. Au début, c'est pour faire un peu le point sur les données géologiques botanique, géographique, économique, étudier le pays pour saisir ses potentialités, ses ressources euh, naturelles, et puis on passe aussi à l'étude de des populations sur le plan d'organisation culturelle, euh, culturelle, politique, politique. On est très surpris, de, très surpris de trouver encore aujourd'hui, en 2022, cette, cette euh, littérature abondante, servir souvent de, de base. Euh... Enfin, elle est encore présente, cette littérature. Elle, est... Elle, est... elle sert souvent de base de travail parce qu'elle est euh, disponible. Oui, enfin, elle, elle est disponible elle est... et, a, et puis, est... travail a été fait. C'est un passage obligatoire. Je veux dire, bon, dans la recherche historique, aujourd'hui, quand on voudrait travailler sur une période donnée, on a des références. Par exemple, bon, on ne peut pas se... ne pas passer par Lyon africain, par exemple, entre l'Ouatasidou euh, et les Saadiens euh, parce que tout simplement, il nous a laissé une description géographique de l'Afrique, comme il a appelé son bouquin, où il, euh, il relate énormément de lieux qu'il avait visité durant sa vie un peu partout au Maroc et ailleurs. Donc c'est un passage obligatoire. Cette littérature de l'époque coloniale, des missions scientifiques, d'abord des militaires, ensuite des missions scientifiques, et les études qui ont été faites plus tard, reste un passage obligatoire. D'abord pour voir quest ce qu'ils ont raconté, ensuite voir est-ce que ça colle ou ça colle pas, ensuite euh, dire quand on est d'accord ou pas d'accord, et en général, cette matière de l'époque coloniale, il faut voir vraiment la prendre avec beaucoup de pincettes parce que des fois elle peut troubler par un détail très simple. C'est qu'il montre une sorte d'érudition et quand on lit ça, effectivement on a affaire à des gens, on dit, ouais, ben, ils, ils comprennent bien, ils ont bien compilé, ils ont bien cherché au niveau des sources, des manuscrits, etc. Donc ils tapent à l'œil parce que justement, ils montrent qu'ils ont un background solide pour le travail qu'ils font. Ensuite, quand ils arrivent à l'analyse, c'est là, que ça déborde de jugements de valeur et c'est là que la recherche justement est intéressante pour voir un petit peu à quel stade euh, les jugements sont de valeur ou bien des jugements un peu plus ou moins réels. Mais n'oublions toujours euh, pas que le principe de ces études était bien étudié pour dominer, pour maîtriser la, maîtriser la population bien au moindre frais comme on, on disait. Donc cette mission scientifique a débordé dans le cas de l'Algérie, des études de potentialité géographique, économique, à un moment donné. La même chose arrive chez nous, on l'installe à Tanger à partir de 1905, la mission scientifique. Alors pourquoi on parle beaucoup de cette littérature C'est elle qui décrit si bas. Il est la première à mettre en place ce qu'on appelle, chez nous, le canva, les dichotomies. Le canva d'études et les dichotomie, les fameuses dichotomie. Ça date de cette époque-là, et c'est là que on a la dichotomie arabe, berbère, marzen, bah, parce que c'est des oppositions, des dichotomies, deux termes qui s'opposent pour essayer de donner une sorte de cadre dans lequel on pourrait comprendre ce pays. De grille de lecture. Une sorte de grille. Voilà. Alors, on va la résumer. Euh, le Maroc se divise selon cette grille en deux zones. Une zone euh, Merzen, euh, on peut trouver ça même dans les romans, hein, dans les romans euh, coloniaux, etc. Une zone Merzen où le sultan règne, mm -hmm. euh, peuplée par des tribus qui sont fidèles à l'ordre euh, sultanien, mm -hmm. qui payent l'impôt. Mm -hmm. Et une deuxième partie géographiquement distincte où les tribus sont insoumises, refusent l'impôt et donc sont dangereuses. Voilà. voilà. Alors très souvent, quand on a ces récits de Français en général, c'était français, on traverse des zones khaznes où ils sont accompagnés par des raids par, par, par le... les stats. Les... Voilà. Et puis les... quand ils arrivent dans la zone si bas, il ben, faut négocier avec les tribus. Il faut, il euh, y a une notion de danger. Voilà. Alors est-ce que cette dichotomie est juste ou fausse, s'il te plaît Justement, c'est la, la dichotomie sur laquelle est basée toute l'optique coloniale en ce qui si concerne le Maroc. Et la pacification, comme ils disent, c'est pacifier les, les, zones les, si les zones si bas et les rendre gouvernables. Et cela, si je peux citer une référence, on a un article de 1908, Michel Blair, qui était le responsable de cette mission scientifique qui était à Tanger, 1908, un article d'une trentaine de pages à peu près, l'organisme marocain. Bon, mais il est long. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, quand on, on lit, on suit la construction, on trouve que c'est solide, mmh. il maîtrise bien, il arrive, les dynasties, les successions dynastiques, bon, avec des raccourcis, etc. Pour arriver au cœur du sujet, je peux résumer cela en deux ou trois phrases que j'ai bien retenues de ce papier de 30 pages. Le Maroc est gouverné par un Marzen, arabe, étranger, conquérant, avec ses tribus arabes. Il ne maîtrise que les côtes et quelques villes comme à l'époque romaine. Alors regardez, le Marzen devient des Romains, c'est dire des espèces d'empire étranger. Regardez là, même les, les, les termes étrangers, conquérant, arabe, dominant et qui occupe les côtes et les villes. Et il utilise le terme comme à l'époque romaine. Il constitue le 1 cinquième des populations. Donc ce Marzen, avec les tribus dites arabes, euh, il constitue le cinquième de la population. Et 4 cinquièmes restants, des Berbères autochtone, conquis, dominé, et justement systématiquement en syba en désordre, et que refuse cet ordre marzanien, arabe, étranger, conquérant, etc. Donc voilà, le schéma, il est, il est mis en place en 1908. Or, 1908, dans notre histoire, je dirais avec l'Aziz Abdelhafid, on a un repère pour... Mais bon... Qui est celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage, puisqu'on va construire justement toute la conquête coloniale sur un nom. On vient juste pacifier et mettre de l'ordre. On, on, on comprend bien l'intérêt qu'a une, une puissance coloniale à décrire les choses comme ça, puisque d'ailleurs c'est un protectorat, ils sont là pour protéger l'ordre, l'ordre étant euh, le merzen le merzen étant euh, confronté à 4/5 de population insoumise. On comprend l'intérêt politique qu'ils ont à, à expliquer ça. Mais en quoi aujourd'hui, un siècle après, cette idée qui a été euh, construite pour des objectifs bien précis, étrangers et vieux, pourquoi aujourd'hui elle continue d'impacter notre façon de réfléchir C'est la base, en tout cas, la, la recherche a essayé de continuer un petit peu la discussion de ces dichotomies-là, soit en les affirmant en les infirmant. Chacun essaie. Parce qu'il y a un grand débat à chaque fois. Bien sûr. Meurt. On tombe sur des gens comme toi qui s'écharpent <laughs> en disant ça n'existe pas. Mais euh, tu peux pas nier qu'il y avait bien des zones qui refusaient l'autorité centrale. Non, c'est pas absolument pas cela. D'abord, euh, on a parlé de Cibao au, au début, mais qu'est-ce que ça veut dire? Or, ah ben. quand on, on, on revient, il, il est temps de le dire. À la source, par exemple, ce qui me tombe en tête, c'est un texte de l'époque de post-Molay Ismail, taif Ribati, une chronique encore et qui est extraordinaire. Et ben, il utilise le mot. Au moment où les enfants de le Mansour Saadi se disputent le pouvoir et que la capitale, l'une des capitales Fès, a connu énormément de successions de sultans entre Ziden, euh, Bouffers et il Mamoun, euh, et le Mamoun. À un moment donné, la population de Fès en avait marre et l'auteur écrit texto qu'ils ont choisi le régime de Siba. Autrement dit, comme s'ils disent aux frères qui se battent pour occuper la ville, etc. Et on a marre, on peut plus supporter vos histoires. Donc, on va se gouverner en attendant que vous réglez vos pro votre problème. Donc là, dans ce cas-là, on est au XVIIe 18... euh, e siècle, 17 e siècle, le 1600, euh, à partir de 1605, 1610, je pense, la mort de Ahmed Mansour et non, une... 1603, Ahmed Mansour. Pardon, et une trentaine d'années de de chaos, voilà, voilà. Alors la réponse des, des fessiers au chaos, protéger ouais. euh, leurs leur biens, se... leur vie, leur euh, commerce et leur euh, quotidien. C'est ils le... se mettent en régime siba, ils se Mais C'est eux qui appellent qui ça. Qui le décide, Oui, voilà. oui tout à fait. Donc là, siba veut dire autonomie, autonomie, autogouvernance puisque le le, le non, cession, non non parce qu'il y a une lutte pour le pouvoir je crois que le nombre de conflits la conquête la reconquête de la ville de Fès entre le Mamoun et, et Zidane, euh, c'est plusieurs fois hein. je dirais il y a un qui l'occupe l'autre bon, qui sûr, arrive qui le, qui, mais ça, qui, va qui, avec, le, euh, ça va être pire avec le, euh, ça va être pire avec Meknes après euh, avec Moleïsma il absolument et donc ça, est, euh, est il il écrit noir sur blanc c'est auteur de l'époque que la population de la ville a décidé de se mettre en régime de donc donc de choisir parmi eux euh, un Shirsiba, c'est le, le terme, hein, parce que ce terme revient avec la révolte des tanneurs, euh, avec Moli Hassan, 73. Mais 73, absolument. Ah, et donc, est-ce qu'on a un Shirsiba là aussi Absolument. C'est drôle, parce qu'avec l'acceptation la, la, actuelle du terme, Shirsiba, c'est deux choses qui vont pas ensemble, parce que si tu es Shirsiba, tu n'as justement, par définition, pas d'autorité. Et bien, suite à la révolte des tanneurs, les facs décident d'élire un, un, un Shirsiba nommé Rice, quelque chose raïs. Et il va voir Moulaïl Hassan sur cette histoire de taxes, d'augmentation de taxes. C'est une sorte de chef des rebelles. Voilà. Voilà. Une rebelle. Alors, c'est pour ça que ce mot, dans sa traduction, ne peut pas pas relaté exactement, parce qu'il la il y a, a une rébellion contre la taxe, mais pas contre le sultan, et le chirci si, bah, va bien présenter les doléances, parce que, au début, quand le sultan arrive, bah, il demande d'avoir, euh, c'est quoi les problèmes, donc ça commence toujours eh bien, par euh, discussion. Est-ce que tu joues pas un peu sur les mots, Mustafa ton goût de la contradiction ne te pousse-t-il pas un peu loin puisque en fait, se rebeller contre le sultan, euh, se rebeller contre la taxe, ou se rebeller contre le sultan, c'est la même chose, qu'on prenne une décision. En tout cas, c'est pas très loin. Ah Vu que, vu que tu nous l'as dit, on l'a compris, gouverner, c'est percevoir des taxes, si tu refuses de payer la taxe, ben de fait, tu refuses l'autorité. Non, ils refusent pas de payer la taxe, ils refusent l'augmentation. Nuance. Ça, la Là, il refuse chose. le montant, en fait. Il refuse la concurrence déloyale des, des protégés. Il refuse euh... Non, pas encore, on n'y est pas encore. Mais ça commence parce que c'est le début du règne de Moulaïl Hassan. Et quand même, quand on regarde l'économie des villes, et notamment la ville de Fès, il est basé sur l'industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'artisanat, l'industrie. Et cette industrie-là est la colonne vertébrale de la ville. Parce que c'est pas que cette euh, corporation qui allait être touchée, mais c'est tous les métiers qui sont connectés. Ce que tu essaies de, ce que je comprends en fait, ce que tu essaies de nous dire en, en nommant Shirsiba ou là en on est au 19e ou bien avec euh, les facies de, 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 de du, du 17e voilà. c'est-à-dire que si ben n'est pas un absence c'est pas un désordre mais un autre ordre absolument c'est ça et ce que je, tu veux dire et je crois que ça peut donner du sens Donc finalement c'est comme l'anarchie en fait c'est pas l'absence d'ordre mais c'est l'anarchie du... dans le sens de la <laughs> voilà exactement pas dans le sens du désordre <laughs> voilà exactement. Et, de, ouais, et de le fitna mais en tout, tout cas un non ordre qui est un ordre non mais quand on, on a traduit d'abord c'était études en français en espagnol bon euh, quand on traduit et puis on donne on essaie de donner un Sens parce que quand les armées coloniales commencent à lutter contre Sitsiba Siba, du Siba et qu'ils trouvent en face des anciens Kaïd marzen qui refusent l'ordre colonial, ben c'est des Kaïd marzen qui se mettent en situation de Siba. Donc ils rompent avec le nouveau pouvoir qu'il a, avec une perspective de conquête. Ils ouais. n'ont pas d'organisation de pouvoir puisque a évoqué tout à l'heure le traité de protectorat que la Tunisie avait auparavant également et d'autres pays comme l'Égypte, c'est-à-dire ce que les spécialistes du droit appellent un principe du droit romain. Parce que ça date un peu, c'est un terme qu'on a revivifié qui remonte à l'époque romaine qu'il avait utilisé d'ailleurs pendant l'Empire pour des traités comme celui de par exemple de la Mauritanie euh, Césarienne, Césarienne, c'est ça. La Tangitaine était indépendante et la Césarienne était en ce régime de protectorat donc c'est un terme. Qui a son sens juridique, et à l'époque romaine, c'est pas comme à l'époque coloniale moderne du XXe siècle, puisqu'il donnait le pouvoir aux autochtones sous la protection des Romains, mais sans conquête militaire. Là, puisque les conquêtes militaires des Romains, c'était ce qu'on appelait les, les colonies, là où ils ont installé des populations romaines, et c'était de l'administration directe, comme c'est arrivé à des moments donnés en Afrique, c'est-à-dire la Tunisie, la Tripolitaine, et, et une partie de la Numidie. Midi, puisque justement cette partie-là va participer au pouvoir romain directement jusqu'à arriver à être des empereurs, puisque c'était un domaine de présence, de pouvoir direct. Dans les régimes des protectorats, non, c'était carrément une sorte d'indépendance euh, totale. Euh, ça n'a rien à voir avec la notion comme il a été réutilisé au XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle. Les premiers à l'avoir euh, testé, c'est les British en Égypte, 1883. La France, la même chose en Tunisie, 1881, 83 il y a deux traités. Et puis, chez nous, en 1912. Euh, là, le hic, c'est accompagné par une euh, coquette euh, militaire euh, et pas une sorte de, de consulting, comme tu disais dans un autre podcast, ou éventuellement une sorte d'assistance technique pour Exactement. réorganiser le pouvoir, mais sans rentrer militairement carrément sur le terrain. Donc, je crois qu'à partir de là, de ceux qui ont refusé l'ordre colonial, c'est des Cibas. gens en SIVA, Cibas, des, des gens qui provoque le désordre des gens qui n'acceptent pas l'ordre colonial et pourtant en face c'est des... Qui sont des Khaïd Mkhzaniens qui refusent l'ordre central. Mais finalement, euh, excuse-moi euh, Mustafa, on arrive toujours au même point. Parce que que ce soit les Fessis de l'époque euh, post-Ahmad Mansour, ou que ce soit les Tanneurs de l'époque Hassan al ou que ce soit les Khaïd Mkhzaniens de l'époque euh, du début du XXe siècle, donc 1914, euh, la bataille de l'Héli et compagnie, ils ont quand même un point commun, ces gens-là. C'est qu'ils refusent, en fait, ils refusent le pouvoir central. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en désordre, mais, mais en l'occurrence pour les fessiers, de, de, ça correspond à un, un ordre. C'est le pouvoir central qui manque d'ordre. C'est une organisation voilà. d'ordre. Euh, dans la tête de moi, ah ouais. moi, compagnie, c'est le pouvoir central qui est défaillant. Donc il crée le leur. Ou alors ils prennent une attitude qui est opposée. Mais dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi le mot SIBA ne s'adapte pas, vu qu'il correspond, dans les trois cas qu'il a cité, à une rupture avec le pouvoir central. Oui, mais euh, personne ne fait ce qu'il veut. Je dirais dire, il y a une organisation, il y a de l'ordre dans ce prétendu désordre. On ne coupe pas les têtes, on ne coupe pas les routes, on ne coupe pas les ressources aux gens. Il y a une organisation, ça continue comme d'habitude. Il n'y a pas de désordre, justement. C'est ça qui est intrigant dans cette terminologie ils ah, sont en usage. Je je veux dire. Et il n'y a, a, a pas de désordre. Non, c'est une organisation, une sorte d'alternative à un, un système euh, qui, défaille. Qui, qui défaille. Et, défaille, qui et surtout dé... quand on voit dans le, le cas des enfants de Le Mansour, c'est eux qui créent le désordre. Oui. Et donc les et gens. Les enfants de aussi. Donc les gens cherchent l'ordre, ils cherchent l'organisation et donc ils se mettent en régime cyber. en fait, tu es venu nous dire aujourd'hui que la CIBA est un ordre. Oui. Pas le central.

de darija tsara hi chi wahed qbiih alors qu'à l'origine en tamazight taddasr هو le généreux dak li kaybghi ytih men fouq ddar men li kaychouf ddiyaf jayyin imaginez ce terme comment il est utilisé à l'origine et comment il, dans sa déformation enfin dans sa reprise par la darija il change un peu de sens l'étymologie, il est là c'est un cas, prenant même un terme j'ai du mal à te suivre ça chez nous c'est l'insolence oui. ou le, le voilà mais c'est la générosité d'accord donc on a un, un, un mot qui a changé de sens absolument et alors oui mais quand on... je te dis tdaasal mm. si je te le dis en tamazight mm. c'est normalement la générosité mm. le darija c'est l'insolent et wow. Si on est les deux à la fois généreux, peut-être parce que. Non mais qu'est-ce que tu veux dire par cet exemple C'est là où je n'arrive pas à revenir au sujet. L'étymologie. Donc le mot saïb, mm. le mot saïb dans l'étymologie à l'origine. Ça n'a rien à voir avec les saïb. les Shajan, non Ça n'a rien à voir. C'est toujours l'extension du mot. Justement, pour les gens de la langue. Donc tu en train de dire qu'on a un mot qui a changé de sens, qui est passé de voilà. d'indépendance. Ou de, de... Mais parce que, mais, mais, je ne suis pas tellement d'accord qu'il a vraiment changé de sens parce que pour moi on est toujours dans une rupture avec un, un système central c'est ce là où on ne s'est pas, pas mis d'accord chez les, les nomades qui ont des dromadaires Seyba en principe c'est la chamelle qui n'accepte pas de rester dans, avec le groupe regardez il s'isole saiba il sort du, de, du groupe euh, on n'est pas loin encore il pose, euh, on n'est pas il, loin il est-ce qu'on a d'autres exemples dans l'histoire du baroque euh, va, va frapper euh, va, va piocher là où ta grande culture te permet de naviguer à l'aise de moments comme ça ou, euh, ou des grandes confédérations, des confédérations tribales ou des tribus ou des régions. Se sont euh, auto-déclarés en mode Siba. Mais tout le monde était en mode Siba en principe. Je veux dire, tout le monde s'autogouvernait. Ce C'est pas parce que un Kaïd euh, qui représente le Marzen, il, est, il a pratiquement une sorte de délégation de pouvoir et il est assisté par les chefs les shir, des fractions tribales avec toute une organisation. C'est un système, moi, que je. Non, moi, moi, non, moi, je veux te dire, non, ma question, alors peut-être elle est mal posée ou tu fais semblant de ne pas la comprendre. C'est ton goût de, <laughs> de contre-pied en hein, commençant. À, te, à savoir manœuvrer, non, non, euh, si, si, <laughs> euh, non, des tribus ou des régions dans un même moment qui ont refusé l'autorité, enfin, bon, on va être concret, refuser l'impôt puisque ça se limite à ça. En général, tel est le, le, le signe de la soumission et le signe de, du rapport hiérarchique, c'est l'impôt. Alors, euh, non, non, il, le, 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 les Français de l'époque coloniale ont réduit le marcel en cette machine des impôts. Justement, c'est tout le, ah, tout le cool. délire. Ils ont, bah non, 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 non. Non. Euh, on peut pas. Euh, oh, ils ont réduit pour montrer cette machine répressive qui ne connaît que la collecte d'argent, des impôts, etc. et qui ne sait que récolter de l'impôt, il ne fait rien d'autre. Justement, c'est la réduction. Or, dans l'impression, justement, c'est pour la collecte des impôts, mais il y a des impôts légaux, ce qu'on appelle les impôts légaux pour la population de confession musulmane et une euh, population de confession juive qui ne paye pas les impôts légaux, mais qui paye un autre impôt, ce qu'on appelle le statut de Dimi, d'ailleurs, je vois la parenthèse, excuse-moi. Euh, voilà, le statut de dhimmi. Mais le statut de dhimmi ne signifie pas une sorte d'infériorité puisque le dhimmi, le non-musulman, ne paye pas les mêmes impôts que le musulman et qu'il doit mettre la main, à la à la, la main à la poche, alors que les gens justement à la recherche de l'époque coloniale commencent à dire non le statut du dîner, c'est une sorte d'infériorité, de protection, de, de, de etc. Alors que c'est absolument pas euh, le, le cas. dire, c'est une grille fiscale. Oui. Donc j'ai en à Oui oui bien ah, sûr c'est normal bah, c'est ça la base de, de non mais de, de, mais, de de les re, hein. mais revenons mais quand euh, Moulay Hassan par exemple meurt et que Mohamed, toi qui nous as raconté ça, cache sa mort pour faire installer sur le trône le, le petit-fils, enfin le, le fils le, peu. Le, le plus le, jeune. Ouais, voilà. Le, le jeune Abdelaziz, il meurt en Halka et il est en train de se diriger vers une je ne sais où oui, oui. pour euh, il faire de... soumettre une tribu qui a coupé la tête du percepteur d'impôts, oui. qui est son cousin. Oui. Voilà. Donc, euh, voilà, donc est est... chez oui. Voilà, chez ouais. ils, ils ont pas voulu, ils n'ont pas accepté le, <laughs> le, le, le prélèvement. Non, il y a une histoire derrière. Alors bon, je veux dire, ou là, ils sont. Alors euh, est-ce qu'ils est euh, est est, est qu sont en mode siba ou pas à non, 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 il euh, faut reprendre -re -re l'histoire comment il s'est passé. Tout simplement, la fameuse grande grand voyage la dernière tournée de Moulay El Hassan, il arrive d'abord chez Mohammed Mouzayni. Hum. Et donc les, euh, dans le Moyen Atlas, à Hassan, il met planche de et toutes les tribus environnantes y compris les Ait viennent euh, saluer et amener des cadeaux. Donc ils sont venus la tribu pour euh, faire le devoir de salut et d'amener des cadeaux et de voir le sultan. Et puis euh, une discussion, et... Il dit, mais il me paye rien à moi, les taxes, etc. Et, bon ben bah, il pose la question, il dit Mais nous on paye à notre euh, chef local, quoi Il dit Non mais il faut me payer moi aussi. Ça, c'est pour Amhaush, d'accord, mais pour l'État, pour le Marzan, il faut payer également. Et le problème commence ainsi parce que pour cette tribu, elle, il donne son dû. Alors, si Amhaush ne donne rien au sultan, c'est leur problème. Mais pour la tribu, elle, il a réglé sa dette. Et c'est là qu'il y a une sorte de provocation. Parce que Mohamed, nous sommes en 1890 à peu près, ou euh, 90, 91, parce que la tournée va durer presque une, une année. Hein. Et euh, en fait, il, lui, il lorgnait pour avoir cette tribu sous euh, son administration, alors qu'elle était beaucoup plus du côté de Mohamed de Aïtwira que du côté de Mohamed de Khnifra. Donc il y a une sorte de provocation de conflit. Et Moulay Hassan continue sa tournée et envoie son cousin le fils de Moulay Slimane, Moulay Sro, et il a été tué par cette tribu. Donc, quand il a fini sa tournée avec l'histoire à Tlouet, la tempête de neige, arrivée à Marrakech, il mis son fils Moulay Mohamed de ses fonctions. Il arrête même. Et donc, durant ce trajet-là, où il allait repartir sur les Roumains en demandant à Saïd et à de l'attendre pour y aller ensemble, c'est là qu'il meurt. Et donc, cette crainte de Bahmad vu son scénario, ce qu'il imaginait oui, dans sa tête. Là, la suite de mais, mais on est bien dans une dans une tribu qui a coupé la tête de oui oui tout voilà. à fait tout à fait mais pour eux ils sont dans l'illégalité. je veux dire ils n'ont rien fait de mal à la base c'est-à-dire ils payent leur dû ensuite on vient les presser pour autre tu chose c'est si un autre problème je suis en train de réaliser un point qui peut-être était évident pour toi et, et, mais pas pour nous c'est qu'en fait on juge très souvent c'est toujours la même, le même problème en fait on juge le passé avec le référentiel d'aujourd'hui mm -hmm. et si je comprends bien on a tendance à considérer le, le Mezen ou l'État central comme étant le, le point de pouvoir d'un pays centralisé. Mmh. Or, il y a très peu de centralisation. Oui, voilà. c'est le cas des empires à travers toute l'histoire. Voilà. Mais même, même, à part les empires, puisqu'à partir des, des, même quand le, le territoire se réduit et finit par ressembler au Maroc qu'on a aujourd'hui, on a quand même une très très grande latitude dans les régions. Alors, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. On n'est pas devant un, un système très centralisé euh, soviétique avec des décisions qui ruissellent de Fès ou de Marrakech. On est devant un pouvoir itinérant qui doit se montrer pour se faire respecter, euh, avec la, les délais de route, les, les terrains un peu accidentés. Plus on s'éloigne, plus ça prend de la distance. Les impôts se payent ou ne se payent pas, se négocient. Enfin, y a, on est quand même pas dans. On, on, est, on a quand même du mal à s'affranchir de, de la vision d'un Maroc centralisé qu'on a aujourd'hui parce qu'on a grandi dedans qui a une, une, ça une... c'est le, le jacobinisme de l'époque coloniale le jacobinisme ça, ça français c'est le, le, le jacobinisme qui les a donné cette centralisation d'un état moderne ça c'est les théories en, en sociologie hein. Max Weber nous a laissé ce legs sur cette euh, modernisation l'état traditionnel l'état moderne comment la bureaucratie L'organisation de la bureaucratie de l'État et la séparation des pouvoirs, des fonctions également. Avant, le Kaïd, il fait la, la police, il fait la fiscalité, il fait la il justice, fait la il fait. Non, je veux dire, il s'occupe de plusieurs domaines en même temps. Mmh. Alors que là, on a assisté avec la oui, modernisation de la, la Qaïd, De quel Kaïd tu parles euh, Le Kaïd avant le, le, le temps colonial. Oui, mais le Kaïd, est-ce que le Kaïd est nommé par le pouvoir central ou il est nommé par la tribu qui. qui... Ça peut être les deux. Il peut voilà. être un membre de la tribu proposée, consacrée. Et on a des, de il doit être validé par le pouvoir central. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Quand il obtient le dahir, c'est là qu'il devient caïd. Un non, chikh, est un de on est, tribu. On est, on est sous Moulay même jusqu'à Hassan Ier, on a l'histoire de. Goudaf. Non, non, je, je sais de reculer. Est-ce qu est, est que chez les. Pareil, pareil. Alors, soit c'est la tribu qui propose un shikh et qui obtient le dahir, il devient caïd. Soit c'est le marzen qui désigne un caïd qui peut être la, un chef de la tribu, euh, de, de, de l'armée. Non, il peut être un chef de l'armée, comme il, il peut être un membre de la tribu. Ça c'est des comment dirais-je c'est des alliés d'un moment donné en général c'est un membre de la tribu mais il peut être un membre du Marcen qui devient Kaïd ou pacha ou amin euh, quelque part comme quelqu'un qui peut être d'une tribu et il peut occuper une fonction centrale par exemple à l'époque de Moulay Slimane la main droite de Moulay Slimane c'est le Kaïd d'Izmour le kaid Belgazel c'était un peu le chef de ses armées et sa main droite était le Kaïd de la tribu d'Izmour et en même temps il est une sorte de grand vizir euh, chef des armées et, et Etc. Donc, il administre sa tribu et en même temps, il est un personnage clé à l'intérieur du système de Molay Slimane. Restons sous Molay Slimane, on est en 1815. Il, il, Molay Slimane est décédé en 1822. D'accord. Euh, il est de quoi, Molay Slimane d'ailleurs euh, Normal. Euh, mort naturelle. Non, maladie mort naturelle. Ok, alors allons chez les Beniznesnesen, par exemple, dans l'Est. Qui les administre, ces gens-là d'Ikaïd, toujours, l'histoire de, les business n'apparaissent un petit peu sur scène. Après 1830, vous savez, quand les Français s'installent en Algérie, les guerres de conquête vers l'ouest, euh, l'Oranie, le les histoires de résistance des Algériens, le débordement sur les frontières avec le, le Maroc. Et puis, une fois bien installés, qu'ils ont réussi leur euh, conquête et leur occupation, toutes les tribus de l'Oriental vont rentrer dans une nouvelle relation avec cet espace qui était un, en quelque sorte le leur auparavant, pour le commerce, l'échange, etc. Alors, à un moment, Donné, les sultans vont interdire aux tribus limitrophes à l'Algérie de commercer avec les Français d'Algérie pour une sorte de politique économique, un petit peu pour essayer de voir si on peut mettre de la pression de ce côté-là. Sauf que ça pénalise énormément l'économie locale, soit des Isnasen ou de Beni Waraïn qui sont à côté de Taza également, les Aïts les Tzoul, les Riata, etc. Et là, on va assister effectivement avec Sidi Ben Abdelrahman et puis avec Hassan Ier, pas que les bénis Isnasen mais vraiment toutes les tribus de l'Oriental qui. Commence à vivre très, très 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 mal les consignes de ne pas trop commercer avec les, oui, les, ben, les Français euh, d'Algérie. La même t... chose pour la piraterie dans, dans le, le, dans le, Méditerranée. le Rif, ouais. en Méditerranée. La punition de la tribu des Briwak où beaucoup l'interprètent selon les yeux d'aujourd'hui, alors qu'il s'agit d'un problème de piraterie qui mettait en péril la relation du Barcelone ou la de l'État avec les pays européens. C'est arrivé encore auparavant à l'époque de Moulay Slimane quand il a interdit le commerce avec tous les pays. Ah, attends, L'histoire, euh, les prévois euh, sont des, des tribus côtières, côtières voilà, qui, qui faisaient un peu de, de contrebande, un peu de piraterie, et Tout ils ont fait. été punis. En 1899, 1899 ben on envoie une armée avec le bachel bredadi pour les réprimer euh, parce que justement ils ne voulaient pas entendre raison par les lettres envoyées. Aux camps, on est un peu dans la police en fait. En fait c'est un peu de... La... Oui, c'est avec les mots d'aujourd'hui, c'est une opération de police, une, une sorte d'opération de police. Mais parce que on leur a demandé d'arrêter de faire cela et surtout que les pays européens trouvaient un moyen de pression contre le Maroc à un moment où les pays européens ne cherchaient que les prétextes justement pour faire pression. C'est arrivé aussi avec Moulay Slimane. Ça n'a rien de... à voir avec Siba tout ça. Non, 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 c'est justement, c'est ce que les Européens considéraient comme si bas, c'est ce que certains considèrent comme une sorte de résistance, alors que ça n'a rien à voir, parce que c'est les tribus de la région qui vont aider cette harka du Marzen contre les Priwa. Nous sommes en 1899, c'est récent. Euh, Moïse leman interdit le commerce avec les Européens pendant les guerres napoléoniennes. Certains tribus. Dans le euh, sud. Dans le, dans, dans le nord, toujours dans la Méditerranée, mmh. qui traficotent un petit peu, il fait pareil, parce que, justement, Opération il y a de des intérêts supérieurs que les gens. Ne comprenait pas, certainement, on ne, ne captait pas, mais pour le pouvoir central, qu'un prétexte, d'ailleurs, euh, Napoléon Ier a exprimé vraiment le souhait de continuer sa conquête ouais, on, de on la avec le pied à terre euh, à l'époque, et donc, du coup, ça mettait en péril euh, la chose. Alors, si on lit aujourd'hui, non, c'est une tribu qui était euh, dissidente et que le Marzen a été la maté, etc., comme ça, non, non, c'est absolument pas. C'est plus subtil. C'est plus mais dans le lié sur, à la géopolitique. Si on s'intéresse au Sud, il y a également, euh, si je ne me trompe pas, une je pense de Moulay Hassan, qui va essayer de récupérer... Euh, je pense que c'est à peu près jusqu'à Golemem, M. oui, Il arrive ah, jusqu'à... Il reste deux ans dans le sud oui, à, 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 oui, réc oui. à récupérer le commerce qui lui échappe. Non, le commerce, c'est des membres de Mohamed On est au moment où McKinsey installe la compagnie britannique, installe un comptoir pour vendre le thé au niveau de Tafaya. Et il va pointer pour leur demander de plier les bagages, parce que justement, ça posait énormément de problèmes, puisque ça ne passait pas par Sweira qui était la capitale du commerce maritime à l'époque, puisque ce McKinsey, cette société britannique, est allé carrément au sud, à Telfaya, pour vendre santé directement aux populations. Alors, quand les, les gens du sud commercent avec les Anglais directement, sans passer par la taxation sultanienne, etc., est-ce que dans leur tête, ils sont dans une logique de si Je pense... Pas un produit qui arrive, et qui s'installe, et puis une facilité de commerce, pourquoi pas Puisque ça leur, venait, en fait. ça leur venait de celui-là au début, c'était un peu plus cher, certainement. Mais là, il arrive juste à côté, il est moins cher. D'accord, donc pour toi, en fait, euh, cette dichotomie est, est forcée, en fait. Well, non, elle est, elle est d'abord euh, est incorrect. Le problème de l'étymologie du terme comme il a été utilisé, parce que les Français ont repris le mot, hein, du jeu, le mot siba, il commence à être utilisé, il est rentré dans la langue française. Au début, on commence à traduire, on dit voilà quest ce que ça signifie, mais après, on continue à utiliser ce mot. Et comme je disais au début, cette histoire de Marzan étranger, conquérant, etc., c'est-à-dire nous sommes sur un terrain où il n'y a que de successeurs de succession, pardon, de conquérants. Oui, oui, si de nous, les étrangères. nouveaux conquérants, ouais, on ouais. arrive, on prend la place d'un autre conquérant et on légitimise un petit peu notre présence. On n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal. On est là juste dans la suite des conquérants de ces pays qui n'ont jamais eu d'unité dans le passé, dans l'histoire, etc. etc. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, C'est un sujet assez théorique, je ne voulais pas être euh, rébarbatif un petit peu par rapport aux gens qui nous suivent, qui nous écoutent, mais euh, il, il y a matière à réflexion très, très 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 profonde, et que cela, à mon avis, chez les spécialistes, en tout cas, il y a une remise en cause permanente de tout cela, et alors, on a énormément d'écrits et de documents, et j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à chercher de la documentation, y compris cette littérature coloniale, où ils vont se régaler, euh, justement, de ces annotations. Un petit peu, et de, de, de ces jugements de valeur. C'est classement. classement. Euh, on découvre chaque semaine, très souvent avec toi en particulier, l'ampleur de l'impact de ce que les Français nous ont mis dans la tête sur nous-mêmes. Voilà. C'est quand même euh, presque aussi violent qu'une colonisation physique. Bien sûr Une colonisation ben là, est... mentale Tout à fait. est presque aussi violente, ou même plus, parce qu'elle dure. Elle dure et elle est, elle est sur la vision qu'on a de nous-mêmes, elle est forgée quand même par des gens qui avaient des objectifs autres, qui avaient des objectifs militaires, des objectifs économiques. Une colonisation. Et par ces objectifs, ils ont fabriqué une, une idéologie qui, hélas, nous est restée en tête. Tout à fait. Et que nous te remercions de déconstruire. Bah, bravo de, de bien résumer la chose, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.